Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Report. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir ce matin et d'échanger avec vous. À dessus de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. La dernière fois, nous avons ensemble parlé et étudié ce que c'est qu'un sorcier inconscient. Ça veut dire quelqu'un qui a de la sorcellerie, mais qui ne sait pas. Elle est sorcière, mais elle ne sait pas. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus en profondeur, encore plus loin, pour comprendre ce que c'est qu'un sorcier sanguin ou un sorcier qui a la sorcellerie dans le sang et qu'est-ce qu'il peut faire qu'un sorcier inconscient ne peut pas faire. Ou du moins, ou encore un sorcier conscient ne peut pas faire. C'est-à-dire que le sorcier sanguin, c'est un sorcier qui est plus dangereux même que les autres, même si parfois ils ont pratiquement à peu près le même pouvoir. La différence entre eux, c'est que le sorcier sanguin ici, lui transmet la sorcellerie par quoi? Par le sang. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, la vidéo que nous avons faite sur elle est sorcière, mais elle ne sait pas, jetez un coup d'œil sur la chaîne où vous verrez cette vidéo. Et nous allons d'abord vous rappeler, avant d'entrer en profondeur de cette histoire, ce que c'est qu'un sorcier. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'un sorcier? Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui offre des sacrifices humains au diable. Et il a tendance à faire quoi? À faire le mal et voir les gens souffrir. C'est ça son objectif, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier sanguin alors? Qu'est-ce que le sorcier sanguin fait? D'abord, rappelons qu'il y a trois types de sorciers. Il y a le sorcier conscient, c'est quelqu'un qui a la sorcellerie et qui sait. Il y a un sorcier inconscient, c'est-à-dire quelqu'un qui est utilisé par le monde de la sorcellerie ou qui fait de la sorcellerie sans qu'il s'en rende compte. Et il y a la sorcellerie sanguine dont nous allons vous parler. Nous avons parlé de la sorcellerie inconsciente et nous avons dit tout simplement qu'il y a des choses que l'homme fait par son comportement qui est une forme de sorcellerie inconsciente. Vous pouvez regarder la vidéo pour en savoir plus. Maintenant, au niveau de la sorcellerie sanguine, comme je vous l'ai dit à l'intro, la sorcellerie sanguine ou encore le sorcier sanguin, bon, c'est une forme de sorcellerie qui se transmet par quoi? Par voie sexuelle. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça se transmet par le sang. Ça veut dire qu'une personne qui est sorcière, si elle a des relations sexuelles avec quelqu'un, elle va automatiquement transmettre la sorcellerie à l'autre, à son partenaire. Est-ce que vous voyez un peu de quoi on parle? Peut-être les gens ne comprennent pas bien. On dit, si cette femme-là, ou si cet homme-là, est sorcier à la sorcellerie dans son sang, il est capable d'engendrer, c'est-à-dire faire des enfants. Et tous ces enfants-là seront tous sorciers. Pourquoi? À cause du lien de sang. Voilà, là vous avez bien compris. Vous voyez donc le danger qui guette le monde ou encore la jeunesse. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir ça tout de suite. C'est pourquoi on est là. Quelqu'un qui a la sorcellerie dans le sang, qui est comme toute autre personne dans la société, peut avoir des rapports sexuels avec tout le monde. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre que la vie d'impudicité, c'est mauvais. C'est à ce moment que nous allons voir que avoir plusieurs copines, plusieurs partenaires, c'est mauvais. Parce que tu peux tomber sur un partenaire qui est sorcier sans même que tu t'en rends compte. La personne est sorcière. Elle est sorcière. Mais tu ne peux pas savoir ça. Parce que ce n'est pas écrit où? Sur son front. Ce n'est pas écrit nulle part qu'il est sorcier ou bien qu'elle est sorcière. C'est la même chose avec les femmes aussi. Hein.
c'est la même chose. La femme, vous verrez que la femme, elle est la sorcellerie dans le sang. Et quand elle a un rapport sexuel avec un homme, elle transmet cette sorcellerie-là à cet homme en question. C'est la même chose. Et quand ces sorciers-là veulent transmettre, veulent mourir, quand leur arrive qu'ils doivent mourir, vous savez ce qu'ils font? Quand ils doivent mourir, ils vont faire quoi? Déverser leur pouvoir, tout leur pouvoir, ou ils vont déverser l'ensemble de ce pouvoir, l'ensemble de leur pouvoir, ou en l'homme, en quelqu'un, à une personne. Si c'est la femme, si c'est la fille, ils vont déposer ce pouvoir-là en la fille. C'est-à-dire la personne avec qui ils auront ce rapport sexuel-là. Ils vont déverser toute cette puissance-là. Ça veut dire que la personne automatiquement sera quoi? Deviendra quoi? Initiée. Ici, nous comprenons donc qu'il est vraiment important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie et de respecter le commandement de Dieu dans la mesure où ça nous sauvera de tout ce que le diable fera contre nous. C'est une protection pour nous. Quoi? Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la sorcellerie dans le sang. Il a la sorcellerie dans le sang. Elle a la sorcellerie dans le sang. Et elle transmet cette sorcellerie-là à tout le monde au travers des rapports sexuels. Vous allez le voir, vous allez le voir. En général même, ceux qui ont la sorcellerie dans le sang, vous savez ce qu'ils font? Ils se permettent de vivre une vie de débauche. C'est-à-dire avoir plusieurs filles. Vous allez voir, c'est lui à chaque fois à la maison-là. Il change de femme seulement. Il envoie les femmes à la maison. Il change de femme. Il change de copine. Ça change, ça vient, ça sort. Vous pensez que c'est quoi? Il a tenté de faire un travail pour le diable en initiant toutes ses filles. Si toutes ses filles sont initiées, le diable va maintenant faire quoi? Séduire le monde entier et les amener où? Dans le mauvais chemin. Elle va initier aussi à son tour tout le monde. Pourquoi? C'est parce qu'elle est entrée en quoi? En contact avec une forme de sorcellerie qui est dans le sang. La sorcellerie dans le sang, mes frères et sœurs. Voici des choses graves qui existent dans ce monde que beaucoup de personnes peut-être vous ont parlé, mais vous ne croyez pas. Nyans Reborn est venu encore vous confirmer qu'effectivement ces choses sont bien réelles. Il faut faire vraiment très attention à celui avec qui on marche. Vraiment très attention. Et tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans la vie sont exposés à tous ces problèmes. Vous voyez pourquoi nous disons toujours que la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Et il est très important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu seras tout simplement exposé, je dis bien, exposé à toutes ces choses. Et vraiment, franchement, ce ne sera pas bien pour toi. Waouh! Mes frères et sœurs, attention, attention. Donnons notre vie à Jésus-Christ maintenant pour ne pas tomber sous cette forme de sorcellerie. Nous venons donc d'achever cette étude sur la sorcellerie sanguine. Nous allons maintenant aller pour la sorcellerie consciente. C'est-à-dire quelqu'un qui est sorcier et qui sait qu'il est sorcier. C'est-à-dire volontairement, il a accepté d'être sorcier. Comment il se comporte, c'est qui? Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Sur cette vidéo, activez la cloche. Les deux vidéos sur la sorcellerie qui va suivre la sorcellerie que nous allons parler vont s'afficher sur l'écran. Vous allez regarder ces formes de sorcellerie là selon dans la vidéo qui vont s'afficher. Et bon visionnage à tous. Surtout, priez, acceptez Jésus-Christ. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. C'est très important d'aimer la parole de Dieu car c'est ce qui va nous sauver à la fin des temps. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.